Salut tout le monde, aujourd'hui il sera question de Lake sur PlayStation 5 qui est sorti le 1er septembre 2021 en mode en ligne sur le store. Il est sorti en version boîte en 2022, donc je sais plus exactement. Moi c'est la version que j'ai, hein, que j'ai pris sur Amazon. Il était développé par Gameus, édité par Gameus également et Watertown Games. C'est un jeu narratif, un jeu vidéo indépendant, studio indépendant. Vous pouvez également le retrouver sur Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC. Donc voilà, il est vraiment sorti sur toutes les plateformes, on va dire, actuelles, donc pas d'excuses, hein. Si le test vous plaît, vous avez normalement ce qu'il faut pour pouvoir vous l'acheter. Donc le jeu va mettre en scène Meredith, qui a environ la quarantaine ou un petit peu moins, donc c'est qu'elle a quitté son village natal il y a 22 ans. Donc comme on ne sait pas quand elle est partie exactement, elle est partie au lycée. Aux États-Unis, je sais plus trop quand c'est lycée, parce que je crois qu'il y a le collège, ils disent lycée puis le collège, enfin bref, je ne sais plus, donc je vais pas dire de bêtises, donc on va dire qu'elle a 40 ans, voilà. Donc elle a quitté sa ville natale pour ses études, et elle est restée dans une grande ville pour son job, donc elle est développeuse en fait, hein, d'un logiciel, d'une application que vous voyez en ce moment même à l'écran. Donc elle a quitté donc sa famille, ses amis, ses proches. Donc là, elle va revenir dans sa ville natale pour supplier son père qui est postier, hein. Il travaille à la poste, il livre le courrier tout simplement. Donc il part en vacances avec sa femme, donc avec sa mère. Et elle revient dans sa maison d'enfance et elle va reprendre son job pendant 15 jours. En tout cas, 2 semaines. Je ne sais pas si c'est 15 jours pile ou 14 jours, je ne sais plus exactement, mais vous allez vivre en fait chaque jour durant ces 15 jours de vie de Meredith. Donc l'objectif dans ce jeu narratif, c'est donc déjà de livrer le courrier. C'est assez barbant pour ma part, je dis ça juste pour moi, ça m'a saoulé. Hein. M'arrêter aux maisons, déposer le colis devant la porte ou mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Faut le vouloir les gars. Et c'est comme ça qu'en fait qu'elle va créer des interactions avec les personnes en fait qui vont réceptionner le courrier, qui vont réceptionner leur colis. Et c'est là que tu vas créer. Donc en fait, Mary n'a pas de vie en fait. Hein. Elle vit vraiment pour son travail. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mari. On ne sait pas si elle a des amis. Je ne pense pas. Et là, le but c'est vraiment de la faire évoluer dans sa vie, de vivre sa propre vie, puisqu'au final, elle a une vie quand même assez triste. C'est comme ça qu'ils essaient de le montrer, même si elle n'est pas morbide en fait quand même pas. Elle reste assez joyeuse, assez. On va pas dire pet sec. Elle est un peu rentre dedans avec les personnes, en tout cas entre les différents choix qu'on peut sélectionner pour répondre à un PNJ. Et voilà, donc le but c'est d'essayer de faire évoluer Meredith, de lui faire comprendre ce que c'est en fait une vie privée. Moi c'est comme ça que j'ai ressenti ce jeu-là. Donc on va pouvoir essayer de lui trouver, je sais pas, peut-être un mec, peut-être une femme. Donc évidemment on a le choix entre les deux. Hein. Ils ont pas pu s'en empêcher, hein. Hétéro, lesbienne, etc. Donc de nos jours on dirait que c'est obligatoire. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Perso ça me dérange pas, mais c'est un peu un gosson quand même. Hein. Je sais pas, faites un choix où elle est lesbienne ou elle est hétéro. Nous laisser le choix, on dirait qu'ils sont obligés, c'est politiquement correct de laisser le choix entre l'un ou l'autre dans un jeu vidéo. Donc voilà, il y aura un homme, il y aura une femme, il y aura une vieille personne, donc des PNJ, il n'y en a pas énormément. Par la suite, en fait, au bout du 3e, 4e jour, tu es capable de dire si les personnes vont ouvrir la porte lorsque tu vas déposer un colis. Tu sais que le PNJ n'a pas été créé dans la maison là, donc tu vas sonner, il n'y aura personne, tu déposeras le colis devant la porte et tu vas te barrer. À force, tu vas commencer à maîtriser le jeu. Donc Lake, parce que ça se passe sur une ville en fait tout autour d'un lac. Autour de lac, donc on aura différents PNJ, des anciens, des plus jeunes. Il y aura une ado de 16 ans hein, qui sera limite déjà mécanicienne. On aura son ancienne amie d'enfance avec qui elle s'est perdue de vue, parce que c'est elle-même qui n'a pas donné de nouvelles, donc son amie va un petit peu lui faire le reproche. Tu vas essayer de rabibocher tout ça. Donc l'idée est bonne, franchement. Le cadre est magnifique. Excusez-moi, petit rototo. Le cadre est magnifique. Tout autour, c'est beau. Les graphismes, on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Moi, ce genre de graphisme ne me dérange pas. Le jeu de lumière est réussi pour ma part. Pas de problème de ce côté-là. Après, le jeu souffre quand même d'énormément de petits défauts qui sont vraiment très agaçants. Déjà, Meredith est lent, vraiment très lente. Elle ne peut pas courir. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Tu vois rarement un facteur commencer à se piser de maison en maison. Et le but, c'était vraiment de prendre la camionnette pour aller de maison en maison. Si elle était capable de courir, on aurait garé la camionnette et on aurait fait à pied le tour de pâté de maison, en fait. Enfin, à pied, en courant. Là, c'est lent. Elle peut marcher un peu plus vite, mais tu gagnes quasiment rien.
Donc c'est moi, c'est ce qui m'a le plus énervé, c'est que le camion se manie mieux que le personnage, en fait. C'est ça, c'est aberrant. Après, il y a d'autres petits trucs où t'as l'impression qu'ils gagnent du temps, tu vois, pour rentrer et sortir de la camionnette. Ils ont pas fait l'animation. En fait, t'as un écran noir qui est pas long, hein, ça dure les 2 secondes, et puis Meredith apparaît à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule là-dessus. Ok, mais faites l'animation, les gars. C'est bon, on a les animations depuis GTA, depuis Driver 2, les gars. Je crois qu'il y avait des animes dans Driver 2, j'ai le doute maintenant. Ouais, si, je pense que si. Première PlayStation, hein. Donc là, on est sur PS5, là. Je sais bien que c'est un petit studio, machin. Faites un effort. Courir, je peux comprendre, parce que là, ça aurait vraiment pété la durée de vie, limite divisée par deux. Sans exagérer, hein. Mais bon, voilà, le reste, c'est pas terrible. Après, heureusement, ils ont mis en place du pilotage automatique, voire tu peux des fois te téléporter. Ça te permet de souffler un peu, parce que c'est vrai qu'au final, tu fais tout le temps le même trajet, hein, pendant les 2 semaines. Tu fais tout le temps la même chose. Tu fais le tour du lac, tu livres les lettres là où il faut les livrer. Donc évidemment, il n'y a pas toujours les mêmes maisons, hein, donc ça va rien changer dans la monotonie du jeu, hein. Après, les phases de dialogue, est-ce que tous les personnages étaient intéressants? Pas spécialement. Je pense que les persos principaux, ceux qui devaient faire changer la vie de Meredith, moi, je les ai trouvés nuls à chier. Donc, je parle de la nana dans le vidéoclub et le bûcheron. Je pense que c'est vraiment vers là qu'il fallait aller. Et de mon côté, je suis allé ni vers l'un ni vers l'autre. Je peux même vous spoiler la fin, parce que le but, c'est de savoir, est-ce que tu vas rester là, est-ce que tu vas garder ce job, ou tu vas retourner à ton ancienne vie? Bah moi, je suis reparti à mon ancienne vie, parce que je les ai pas sentis, en fait, les deux persos. C'est pas parce que le jeu a fait en sorte que vous devez essayer de la faire évoluer qu'il faut vraiment le faire. Après, elle a un bon travail, elle est bien payée, elle peut construire sa vie privée là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas figé. Par contre, là où j'ai vraiment insisté dans le jeu-là, c'est l'amitié. J'ai essayé d'aider les personnes âgées, la folocha, hein, tout droit sortie des Simpsons. J'ai essayé de rabibocher l'amitié entre son ami d'enfance. Tout ça, ça me tenait à cœur vraiment de réussir de ce côté-là. Et là, je pense que j'ai bien amené les choses jusqu'à la fin du jeu. Voilà, donc là, je suis assez content de moi, donc il n'y a pas de souci. Donc, je ne veux pas trop spoiler non plus. Hein, y a des petites histoires qui vont se créer à droite et à gauche avec les PNJ. Il n'y aura pas d'histoire de meurtre, il n'y aura rien de lugubre. Voilà, ça reste un jeu sympathique, c'est un jeu respirant, comme j'aime les appeler ceux-là. Tu prends le temps de vivre. Tu prends le temps de jouer tranquillement, t'avances, tu fais ce que t'as à faire. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai fait pas mal, hein, sur la chaîne. J'ai fait Road 96. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Putain, comment il s'appelait? Le truc dans la maison, là, putain, j'ai déjà oublié le nom du jeu, quoi. Si ça, c'est pas la loose. Comment il s'appelait ce jeu? C'est pas Home Alone, c'est Maman, j'ai raté l'avion, on est d'accord? Mais l'autre, il s'appelait Gone Home. Voilà, c'était Gone Home, qui était vraiment cool. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Bah, j'avais fait Firewatch, et j'en ai encore fait un autre qui est pas encore sur la chaîne, que j'ai testé en février ou mars. Donc, je le publierai, bah, quand je le publierai, hein, y a pas d'urgence. Bah, je peux vous dire lequel c'est. Comme ça va offrir un petit spoil pour ceux qui suivent les vidéos de façon régulière. Donc le dernier que j'ai pas encore posté, c'est What Remains of Edith Finch, qui est vraiment excellent également. Mais ce jeu Lake, il m'a un petit peu moins plu que tous ceux que je viens de vous citer. Je sais pas, il y a peut-être la monotonie du facteur, en fait, qui m'a... Ça m'a gonflé, en fait. Tous les jours, tu prenais ta camionnette, à chaque fois, tu lançais, tu sais, l'espèce de mini-carte, tu voyais tout ce que tu avais à livrer, c'était déprimant, quoi. Le jeu se fait en 5 heures, à peu près. Donc, j'avais dû sur Internet 6 heures, donc ça voudrait dire que je l'aurais peut-être un peu rushé, mais je pense pas, hein. J'ai essayé de faire un maximum de dialogue, comme je dis, j'ai essayé d'aider les PNJ comme je pouvais, pas tous. Soit la nana et du vidéoclub et le bûcheron, pas mal. Il y a aussi pas mal de références aux années 80, évidemment, vu que le jeu se passe en 86, ben, Retour vers le futur et compagnie, quoi. Les temps de la mer, etc., etc. Alors au niveau des musiques, on a une radio, mais vous allez vite vous rendre compte que les musiques se répètent inlassablement, tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. Au début, elles sont sympas, c'est vraiment de bonnes musiques qui collent parfaitement à l'ambiance du jeu, mais... Il y en a pas assez, c'est pas assez varié. Après, bon, est-ce que c'est vraiment un défaut? Oui et non. Des fois, t'es quand même content de réécouter une musique que t'avais bien aimée. Encore une fois, ce sera au propre à chacun de décider du sort musical de ce jeu. Mais je le pointerai pas non plus pour un énorme défaut.
Tiens, j'ai le hockey qui ne me lâche pas là, je sais pas ce que j'ai. Regardez, moi, le jeu des lumières sur la camionnette, avec les arbres et tout, c'est cool, franchement, c'est super. Donc le personnage se parle aussi régulièrement à elle-même. Bon, après, certaines remarques sont un peu hors propos. Des fois, lorsqu'elle met une lettre dans la boîte aux lettres, elle dit souvent quelque chose. Attendez, est-ce que là, elle va dire un truc ? Bon, la voici votre courrier, on va dire que ça passe, mais voilà, c'est vraiment meubler, pour casser peut-être encore une fois la monotonie du facteur. Est-ce qu'ils auraient pu rendre le jeu plus dynamique ? Je ne sais pas. Peut-être en vélo ? Ça aurait été peut-être plus cool de pédaler, je sais pas, d'apporter un peu plus de gameplay dans le titre, qui est au final ultra pauvre. Hein. Tu peux marcher plus vite, et tu cliques sur X pour mettre le courrier dans la boîte aux lettres, tout simplement, tu fais rien de plus. Tu sélectionnes les dialogues. Donc là, un des PNJ assez importants du jeu, qui va revenir régulièrement. Donc c'est la folle au chat, que je vous ai cité tout à l'heure. Donc pour savoir quel colis c'est, vous voyez en bas à gauche, il y a marqué 200 Lake RD. Bah tu reprends en fait le colis où il y a la même adresse, hein, tout simplement. C'est pas bien compliqué au début, je me dis mais merde, comment on sait quel colis c'est ? Donc j'ouvrais à chaque fois la carte, mais non, t'as pas besoin. Regardez ça, on voit bien que c'est un ours en peluche. Donc là, comme d'hab, elle va se représenter. Ah, tu es la fille de machin, mais je te connais, j'adore ce type. Voilà, donc il y a quand même une bonne ambiance dans cette ville. Je vais pas dire que toute la population est soudée, mais ça va, franchement ça va, c'est pas non plus une ville extraordinaire, hein. c'est une ville comme on trouve partout, où il se passe très peu de choses, voire où il ne se passe jamais rien. Donc évidemment, les gens qui vont rusher ce jeu, bah, ils n'auront rien compris, hein. C'est vraiment un jeu qu'il faut faire à la cool. Vous avez qu'à le faire entre deux gros jeux par exemple, ou y revenir de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de le faire d'affilée. Hein. Moi j'ai quasiment une semaine pour le finir, donc ce qui est relativement long pour un jeu comme ça. Mais voilà, après, le plus important dans les jeux comme ça, c'est vraiment l'ambiance et les PNJ, et c'est le personnage principal. Si t'arrives pas à comprendre le personnage principal, tu vas rien comprendre au jeu et ça va te faire chier d'avancer. Là-dessus, je pense que Meredith est vraiment réussie. Déjà, la silhouette est cool, elle a une bonne tête. Elle a une bonne coupe de cheveux, elle est soignée, elle parle bien. Sa doublure est plutôt bonne, hein. Là-dessus, il y a rien à dire. Après, les PNJ, comme je vous l'ai dit, pour ma part, il y a un petit problème. Par contre, pour d'autres personnes, ils vont être sensibles à tous ces PNJ. Là-dessus, ils m'ont pas trouvé, en fait, si vous voulez. Et, au final, c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis quand même allé au bout, j'ai quand même bien aimé le jeu. Je peux pas dire que je l'ai détesté, loin de là. Hein. Je sais pas si j'y reviendrai un jour, j'en doute. Parce que c'est des expériences vraiment à faire qu'une fois. Je pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt à recommencer, même si au final, là, vous choisissez un autre dialogue, et puis voilà. Mais je pense que même en choisissant un autre dialogue, ça va rien changer. Le seul choix important à faire, bah, c'est à la fin du jeu. Tu restes ou tu pars. Donc moi, j'ai quand même fait les deux fins. Parce que là, ça sauvegarde un petit peu avant ton choix final, donc j'ai pu recommencer ce... Juste avant, j'ai choisi le truc et au final, bah, ça change. Bah, vous verrez. Vous verrez ce que ça change ou pas. Ce sera votre choix également. Je ne vais pas vous influencer. Donc voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur le jeu. On va arriver au quart d'heure, hein, ce qui est amplement suffisant pour un jeu comme ça. Et je vais vous montrer encore l'autre PNJ, donc le fameux mec. Où ça, tout est un petit peu écrit, hein, pour qu'elle finisse avec lui. Et moi, je trouvais que c'était un gros beauf, inintéressant au possible. Il m'a saoulé, en fait. C'est pour ça que je l'ai dégagé à la grenade. Façon de parler, évidemment. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu dans la forêt. Comme ça, vous verrez un petit peu l'environnement plus forestier. Donc là, c'est la mécanicienne sur la droite. On va pas s'arrêter, hein, même si elle attend une lettre ou un colis. Donc là, j'ai pas encore la radio, hein. Je crois que c'est à partir du jour 2 que ça nous dit comment mettre la radio. Donc la radio qui est gérée par le fermier, en fait, du village. Ou de la ville, hein. Je sais pas si on peut dire que c'est une ville. Ouais, elle se parle vraiment à elle-même. Elle nous parle à nous, en fait. Ouais, c'est par là. Ouais, là, c'est quand même sympa, hein. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'interaction avec tout ce paysage, en fait, qu'il y avait. Plus aller sur le lac, même si on y va à un moment donné avec un PNJ, mais... J'aurais aimé plus d'interaction avec les décors. Puis il me semble qu'il n'y a rien à collectionner, il y a une espèce de truc à faire pour faire des photos aussi. Bah, sinon, vous verrez par vous-même, hein. Là, je vous ai déjà quand même bien spoilé, donc...
Au début, je l'aimais bien, lui. Mais bon, il m'a vraiment vite gonflé, quoi. Donc voilà, bon, bah, je vous remercie d'avoir suivi ce test, comme d'hab, partie commentaire. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, si vous voulez éclaircir certaines choses que j'ai dévoilées. C'est vrai que j'en ai peut-être dit un peu trop, je trouve, sur le jeu, mais bon. Je pense que là, c'est à vous de voir si vous avez envie de le faire ou pas. Hein. Je pense que je vous en ai donné envie ou pas du tout. Allez Robert, sur ce, moi je te dis adieu. À la prochaine les amis, portez-vous bien, foutez-moi le camp comme toujours. Ciao tout le monde.